Bonjour tout le monde, c'était j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la découverte du dernier animal du DLC Graceland. Et nous sommes sur le Gnou bleu. Et je sais exactement ce que je veux faire. Oui, on va pas chercher, on va pas faire midi 14h. Je sais exactement ce que je veux faire. Et c'est une scène qui est assez connue, on va dire connue. Vous en faites pas, je vais pas refaire le Roi Lion. Non, non, non. C'est une scène dans les documentaires animaliers qu'on voit beaucoup. Je vous en dis pas plus, mais vous allez comprendre lorsque je vais commencer à dessiner un petit peu la carte. Je pense que ça peut être sympa. Donc on va partir sur quelque chose de très naturel. Pas un enclos ni un ranch comme on a pu faire pour les tatous, pour les émeus, etc. Là, on part sur du diorama naturel. Donc, je vais aller faire mes muses et puis je vous dis à tout à l'heure.
Et re tout le monde, donc voilà mon petit diorama pour les gnous bleus. Souvent dans les documentaires animaliers, vous avez toujours cette rivière infestée de crocodiles et vous voyez des troupeaux, mais de milliers de gnous passer dans la rivière et tout, en priant pour éviter que le crocodile ne les chope. Du coup, j'ai voulu refaire un petit peu cette zone-là. Et je dois dire en fait qu'il y a un truc qui est embêtant avec Planezo, c'est que les animaux en fait ont du mal à passer, même si c'est un petit peu pontu, alors qu'en vrai ils s'en fichent, j'ai envie de dire. Du coup, c'est un peu galère à les faire passer. C'est pour ça que j'ai fait cette petite arche. Mais voilà, de loin, on voit pas trop comment c'est. Ça va, j'ai envie de dire. Et puis là, je vois qu'ils veulent pas aller plus loin que ça. Je sais pas pourquoi, alors qu'en fait, ils peuvent aller de partout. Ou alors, ils aiment pas simplement cet endroit-là. Je sais pas. Ils préfèrent cet endroit. Je sais pas. Ah, si, il y va, lui. Donc, voilà. Et je trouve ça vraiment trop mignon. J'ai essayé une nouvelle technique pour faire les bords, en utilisant ce que font les autres. Mais il faut que je m'entraîne, parce que c'est pas vraiment laborieux. Alors, j'ai comblé et à rajouter des pierres de différentes couleurs, donc ça donne un petit côté mouillé à certains endroits. Je trouve ça assez sympa. Pour ça aussi que là j'ai fait un côté mouillé, parce qu'en fait avec cette marée de gnous qui passe dans la rivière, en fait c'est trempé à gauche comme à droite quoi. Donc voilà, je trouve ça assez sympa, je trouve que c'est assez joli. Moi j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. En tout cas, c'était le dernier animal du pack de Graceland. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de toute cette série. Le gnou bleu se retrouvera bien sûr dans le zoo africain, ainsi que... j'ai oublié le nom du deuxième, je ne sais plus c'est lequel. Donc, ça va être cool, ça va être cool. Ça va être cool. N'hésitez pas du coup à laisser un petit like, un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!